La mise à jour de Sona arrive cet été. Depuis la pré-saison et l'introduction des nouveaux objets mythiques, certains champions de League of Legends ne s'en sortent pas aussi bien que d'autres. Dans cette optique, Riot Games a décidé de dépoussiérer certains kits de sorts pour leur donner un second souffle. On peut par exemple penser au tout récent changement opéré sur Rammus. Dans cette optique, le studio a décidé de s'attaquer à Sona. Très présente dans la méta, lors de la saison 10, la championne s'est quelque peu essoufflée depuis le début, notamment à cause de l'arrivée de Séraphine. Riot Games veut donc la remettre sur le devant de la scène. Les changements sur la virtuose de la harpe arriveront cet été. Alors quels sont les petits changements apportés ? Il n'y aura plus de récupération de mana sur son Q-spell, Hymne de bravoure, Z, Aria de persévérance et son E, Mélodie de vélocité. En revanche, le coût en mana de ses sorts seront réduits. Le passif de son ultime, réduction du délai de récupération de base des compétences, de base de Sona donc, sera aussi supprimé. Ajout d'un passif résonance, qui nous dit « Lorsque les compétences de base de Sona aident les alliés ou blessent les ennemis, elle stack de l'accélération de compétences pour elle et ses alliés. Lorsqu'elle atteint le nombre d'effets max, elle gagne de l'AP bonus. » Il ne s'agira pas d'une mise à jour majeure, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'énormes modifications de son modèle de base et de ses capacités. Mais les développeurs doivent encore faire de légers ajustements visuels en raison des changements apportés à son passif. Le design serait validé et l'équipe fignolerait à l'heure actuelle l'aspect de la championne.